Ouais, on va aller faire la reconnaissance du Nord Trail Mont des Flandres pour une distance de 21 et 22 km à l'arrache. Donc c'est une reconnaissance, donc c'est pas non plus une compétition. Donc il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'arrivée chronométrée, il n'y a pas de dossard. Le but c'est de reconnaître le terrain. Donc on va passer par le Mont Rouge. Donc le Mont Rouge, c'est tout un grand circuit assez compliqué, beaucoup boisé, de forêts, de bois. Donc on verra ce que ça va donner. C'est la dernière partie du Nord Trail Mont des Flandres, puisque le Nord Trail Mont des Flandres fait 80 km. Et donc là, je vais reconnaître les 20 derniers kilomètres. C'est le terrain que je vais pratiquer quand j'aurai déjà 60 km dans les pattes. Donc je pense que ça va être instructif quand même. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Donc votre table. Bonne table. Une patinoire. Alors les patinoires, faut s'en méfier, c'est en descente. Ouh. Ah. Allez, parti. On a des grandes jambes ici. Là Simon, on est là. Simon, j'ai 0.
Gamel. C'est là où on se rend compte que la terre de Flandre, elle est bien grasse. Hein ? Ouais, bien grasse. Bon, on arrive bientôt, on va passer les 20 km. Bon. Là, c'est bien humide, c'est bien grand. Hop, hop. Nous voilà revenus à Saint-Jean-Scapel. Donc il doit rester 500 mètres, 400 mètres, je sais pas, 1 km, grand max. Bon ben voilà. Bon, l'état des. Des jambes et des chaussures. Il va falloir laver tout ça. Bon, pour l'instant, je vais me changer. Bon, c'est pas mal. Puis je vais aller boire un coup avec tous les copains. Voilà. Allez. Ciao. Merci. À bientôt. Gamelle.